Alors, bonjour, moi c'est Raphaël Baling. Alors aujourd'hui on est à la maison Sensi, qui se trouve rue de la Régence, numéro 13, en plein milieu du Sablon, juste en face du conservatoire. Et je suis ici pour mettre en place un projet qui a été accueilli magnifiquement bien par la famille de maison Sensi, qui allie la gastronomie et la musique. Et le but c'est de proposer quelque chose de nouveau qui n'est pas encore au Sablon, c'est-à-dire de la gastronomie où on propose des concerts hip-hop, soul. Toutes sortes de styles musicaux, en tout cas, qui plaît à beaucoup de personnes, et pouvoir les associer avec des musiciens et de jouer et de mélanger avec la culture. Dans ce projet, alors j'occupe plutôt une place de gestion de projet, c'est-à-dire trouver gestion de projet et communication, trouver les personnes nécessaires pour pouvoir mettre en place le projet, la réalisation du projet dans l'organisation plutôt, et la communication avec ce qu'on porte en extérieur, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, et la communication qu'on pourrait avoir avec différents médias. Alors, des artistes qui sont déjà passés, pour le projet, on a déjà eu plus de 6 artistes, notamment le tout dernier artiste qui est passé, qui est connu, Youssef Souad, qui est vraiment pas mal, qui est déjà une étoile montante, on peut plus dire une étoile montante, mais qui est déjà bien installé dans le milieu rap de Bruxelles, en Belgique. Il y a un autre artiste aussi qui s'appelle Bart Cobain, qui rappe en anglais, très influencé par l'Amérique. Et d'autres artistes soul comme Cell ou bien Rosa ou bien Zarathustra. Un autre rappeur, Zayn. Entre deux artistes, il y a une artiste Solskis, qui chante magnifiquement bien, qui a une très belle voix, une prestance sur scène. Vraiment, je vous conseille de venir la voir. Et puis un autre groupe, c'est Brut, il s'appelle Brut. C'est quatre jeunes personnes, dont une chanteuse et trois musiciens, qui font plutôt de la, on va dire, de la pop, soul, dans ce style musical. Ils, eux aussi, ils commencent à avoir un nom dans le milieu musical belge, et qui prennent aussi de l'ampleur au-delà de nos frontières. Donc ça va être deux magnifiques concerts, ils sont en train de les préparer actuellement juste ici au-dessus. Je peux vous dire que ce sera très bien de venir voir ce que ça va donner. Pour le futur, de très belles choses se préparent, de très très belles choses se préparent, on travaille vraiment là-dessus. Alors je ne vais pas donner tous les détails maintenant parce qu'on ne peut pas s'avancer non plus, c'est de tirer des plans sur la comète. Mais ce qu'on promet, c'est des shows de plus en plus spectaculaires, de plus en plus qualitatifs et pouvoir produire une gastronomie à la hauteur de la maison Sensei.